Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo un peu humide ce matin, même si la pluie tombe ne suffit pas à remplir ce premier étang, qui est toujours vide. Bon, il est souvent vide, mais là c'est clair que même les pluies qu'on vient d'avoir sur ce début du mois de septembre, début octobre, n'ont pas suffi à remplir le réservoir. Il y en a un autre derrière, qui est toujours lui en eau, on était déjà venu ici, donc c'est là où on va passer une bonne partie de nos photos. J'ai pas vraiment de sujet photographique en tant que tel technique à partager avec vous. Aujourd'hui, je voulais justement tourner autour de l'étang pour photographier l'eau, donc on a la pluie en plus, donc nos photos vont tourner autour du sujet de l'eau. Je sais pas encore si je continue à m'aventurer un peu par ici, ou si je vais directement à l'autre étang, mais écoutez, vous allez voir sur les prochaines images. Et puis en fait je suis un peu paumé et énervé là actuellement parce que je me suis garé au parking et je vais vous montrer les images et voilà, je me suis retrouvé en plein milieu de la forêt avec un tas de pneus et je trouve ça hyper scandaleux parce que vu la quantité de pneus c'est clairement pas des particuliers, c'est probablement un professionnel, mais de toute façon que ce soit professionnel ou particulier, je trouve ça inadmissible de jeter ses pneus comme ça au milieu de la nature et de la forêt. Donc ouais, ça m'a un peu énervé en arrivant, mais je vais reprendre mes esprits et puis on est parti ensemble pour des images et un peu de plaisir au milieu de la nature à faire des photos. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, je vais pas vous raconter l'histoire. Je suis un peu grognon là ce matin. Je sais pas si c'est mon arrivée, mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans et puis à trouver les images. Donc là, j'ai monté. Hein, j'étais tout à l'heure là-bas sur le petit pont. Donc j'ai voulu venir voir ici dans cet étang sec. Alors il y a des choses intéressantes au niveau des graminées. Là justement il y a quelque chose qui m'intéresse avec ces formes là. Donc j'étais en train de regarder comment me positionner, mais avec le ciel derrière j'ai un peu de mal à voir comment je vais me positionner. Mais néanmoins je pense que je vais prendre une photo ici. Sur le chemin ici j'avais une idée là de photo qui était intéressante, mais bah, forcément hein, il pleut et c'est, je dirais même qu'il pleut de plus en plus. Donc j'ai eu l'impression pendant un moment que du brouillard allait se lever, mais en fait c'est juste de la brume. Et là le ciel est vraiment gris, il y a vraiment une absence de lumière à l'intérieur dans les bois, donc du coup ça fait quelque chose de relativement plat. On n'arrive pas à bien voir la perspective, même si peut-être que tout à l'heure je prendrai la photo avec le chemin, ça peut être intéressant. Donc ouais, j'ai vraiment du mal là ce matin. Bon, en tout cas, on va rester sur mon sujet qui était le sujet premier, c'était l'eau. Alors ici, on voit pas vraiment l'eau, mais on voit bien qu'ils ont été bien trempés, ces graminées. Donc je vais me mettre en position pour prendre une première photo ici. Et puis bah écoutez, on va regarder ça ensemble sur la profondeur de champ, la mise au point et tout ça, comme d'habitude. Allez, c'est parti, je me mets en place. Bon, je me suis mis en place. Je suis assez satisfait là de finalement ce que je vais prendre en photo. Donc vous voyez, donc c'est des graminées qui sont au premier plan. Donc j'ai ici un peu de ciel, donc ça c'est un peu gênant, mais j'ai vraiment essayé de plonger mon appareil au maximum pour éviter trop de ciel. Et puis je trouve que c'est bien, j'ai voulu couper les pieds. Au pied il y a des pierres et je trouve que ça apporte pas grand chose de particulier sur l'image, donc j'ai pas voulu les incorporer. Et puis bon, en fait ce jaune blanc sur le jaune brun, pardon, sur le devant du vert, je trouve que c'est assez sympathique. Et puis une autre couleur de coloris de vert sur le devant, je trouve que c'est bien. Donc j'ai sélectionné volontairement une profondeur de champ de 6-3 pour pas avoir trop de netteté sur l'arrière-plan, mais vraiment me concentrer ici sur les graminées. Donc au niveau des graminées, j'ai fait ma mise au point, je vais vérifier parce que au fur et à mesure que je parle, ouais, la mise au point est correcte. J'arrive à toucher parfois sur des boutons et à me dérégler. Et donc je suis resté comme d'habitude sur mon ISO 64 de base, et vous voyez que j'ai 2 secondes, donc il y a du vent, donc clairement ce qu'il faut c'est que toutes ces herbes soient vraiment très très nettes, donc je peux pas me permettre là de rester sur 2 secondes. Donc on a déjà eu l'occasion hein, de travailler comme ça sur d'autres vidéos. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher la vitesse que je veux. Donc on va probablement être là, quand je regarde le vent,
comment ça bouge. Bon, après, il y a les gouttes d'eau aussi qui peuvent amener un peu de mouvement, mais je dirais qu'il faut au moins que je sois sur du 1/60e. Là, je suis sur du quoi, 1/80e. Et ben, on va essayer 1/80e, on va regarder ce que ça donne en sensibilité. J'ai peur que il me faille monter très haut au niveau de la sensibilité. On va bien voir. Ouais, exact. Là, je suis presque allé, je suis à ISO 5000. Bah écoutez, c'est comme ça, on va la prendre à ISO 5000, on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas vraiment l'intention de faire un agrandissement de cette photo, du moins telle qu'elle est cadrée ici, elle est plutôt bonne. Je suis au 28 mm. Alors, j'ai pas regardé ma distance, je suis en gros à 1m50 de mon sujet, donc du coup avec la profondeur de champ, ça va être plutôt intéressant puisqu'on va vraiment avoir du flou là sur l'arrière. Donc voilà, c'est réglé pour l'image, c'est parti. Et puis on va regarder ça à l'écran. Scène dont je vous parlais précédemment, de ce chemin et de ces arbres. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ici à faire. Alors peut-être que là actuellement, entre la luminosité et puis probablement un peu aussi le manque de couleur ici au sol, c'est pas forcément le moment idéal pour prendre cette image, mais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose de sympa, donc on va faire l'image quand même. Bon, rien de relatif avec l'eau comme je vous le disais en introduction, mais en tout cas juste pour faire l'image. Ce que je vais faire, c'est que je suis à peu près là, comme je suis en train de filmer, c'est à peu près là où je vais prendre ma photo. Donc c'est clair que ma mise au point, elle va être sur ce premier arbre. Il va falloir que je me déplace en fait avec mon appareil photo pour que tous ces arbres-là ne se superposent pas. Donc je veux vraiment qu'il y ait une distance entre les deux arbres. Alors je sais pas si vous voyez bien l'image, mais j'ai un premier arbre ici, j'en ai un juste derrière. Ce qui fait que suivant comment je vais me positionner, ils vont être un peu trop serrés. Donc je vais me positionner pour avoir un léger vide entre les deux. Les autres, on va essayer de les répartir pour qu'ils soient dans l'image et donc le chemin qui soit bien visible, qui nous emmène. Alors, faut que je fasse attention parce qu'il y a vraiment plus rien là si j'avance devant. Donc, vous voyez ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus de l'herbe, donc il n'y a plus que de l'herbe. Donc, si je prends mon image un peu trop loin ou avec un objectif un peu trop large, je vais avoir beaucoup d'herbe et je pense qu'on va être vite paumé parce qu'en plus, ça va être la surface la plus claire. Donc, je vais soit zoomer, soit me rapprocher de ce premier arbre, me décaler probablement quelque chose quelque part par ici. Parce que là c'est pareil, j'ai deux arbres qui à mon avis vont être, je vais avoir du mal à la différencier. Et puis écoutez, les réglages après, je vais prendre du F8, je vais monter en sensibilité parce que sinon mes vitesses vont être trop lentes. Et même si là le vent va pas gêner, j'aime pas trop quand même là parce qu'on est vraiment dans des luminosités basses. Et puis on verra ce que ça donne pour la vitesse. Et c'est parti pour l'image. Alors j'ai fait cette première image en me rapprochant au maximum donc de l'arbre du premier plan sur la droite. Vous voyez que j'ai très fortement limité cette zone en herbe. On a le chemin qui nous guide dans l'image et donc qui nous emmène vers le fond de l'image. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Donc on n'a rien qui nous perturbe, mais on a l'œil qui circule facilement dans l'image. Mais j'ai fait aussi l'image en me reculant un peu, donc je suis un peu plus près que ce que j'ai filmé tout au départ. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus parlant. Je trouve que le chemin nous emmène correctement dans l'image, un peu plus que dans le premier. On n'est pas bloqué sur l'arbre donc à droite qui est trop gros. Bon, malheureusement, j'ai un peu de chevauchement avec celui du fond. Donc voilà, deux images complètement différentes. Je vous laisse me dire laquelle des deux vous préférez dans les commentaires. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué là aujourd'hui pour moi de trouver des images. Donc je voulais rester autour du thème de l'eau. Et l'eau s'est mis de la partie avec la pluie comme je vous disais tout à l'heure. Mais aussi je suis pas, j'ai pas trouvé les couleurs que j'espérais là dans les arbres. L'automne est là pour la saison, pas encore là pour les arbres.
Donc du coup, je pensais à des histoires de reflets, des choses comme ça. Et justement, même là, avec la pluie, ça aurait pu être intéressant parce qu'au lieu d'avoir un reflet net, on aurait eu cet reflet un peu abstrait qui aurait pu même faire l'objet d'une photo à lui tout seul. Mais voilà, ça c'est toutes les images qui marchent pas. Et si vous vous rappelez, j'étais déjà venu ici une fois et au dernier moment j'avais eu mon image. Mais là je crois qu'aujourd'hui les feuilles vont pas changer assez rapidement pour qu'au dernier moment j'ai mon image. Par contre ici je trouve ça intéressant. Donc là on a le vert de l'herbe, donc j'essaie de pas trop piétiner parce que ce que je vais faire c'est une vue par-dessus. Et puis sur cette vue par-dessus je vais essayer de cadrer. Alors j'hésite entre paysage et portrait, je vais probablement être sur paysage. Je vais mettre mon filtre polarisant pour que ça éclaire ou que ça fasse ressortir un peu ce qui est sous l'eau. Il y a quelques branches, quelques cailloux, il y a un contraste, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de sympa. Alors encore une fois avec la lumière ça aurait été encore un plus. Donc là quand je regarde je vois même que je vais plutôt aller par ici parce que par ici il y a un peu plus de lumière que par ici, sauf que ça a été un petit peu plus piétiné, donc il va falloir que je trouve mon endroit. Mais en tout cas voilà, je vais me mettre en position et puis c'est parti pour l'image. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais je suis en position, donc j'ai vraiment utilisé toutes les options de mon trépied. Donc j'ai écarté les branches au maximum. Ça c'est pour éviter les ombres, donc je sais pas si vous voyez bien ici, mais en fait là j'ai une ombre qui arrive ici, donc qui était en plein dans ma photo, donc il a fallu que je recadre différemment, mais en écartant le pied ça m'a permis de déplacer cette ombre. J'ai mis les deux autres ici, j'ai inversé ma colonne. Donc voilà, au moins pour le trépied c'est fait. Alors comme je vous disais, j'avais des ombres, donc j'ai utilisé de toute façon le filtre polarisant, donc pour retirer les ombres. Alors je m'excuse, je vais vous tourner le dos. Mais donc pour les réglages, donc je suis resté en ISO 64. J'ai une vitesse qui est du 1/6. Alors j'ai descendu mon diaphragme à f/2.8 hein, puisque j'ai pas besoin de grosse profondeur de champ. Et donc je vais prendre la photo, donc je peux pas vous montrer exactement ce qui se passe, mais vous allez voir tout de suite à l'image. Donc une partie verte, une partie blanche, et puis j'essaye en fait d'avoir les gouttelettes d'eau qui font des vaguelettes, donc à la fois avec l'effet polarisant de voir le fond, mais aussi de voir cette surface floue sur le dessus. Donc voilà, j'espère que ça va bien marcher. Donc je vais faire la mise au point hein, sur l'herbe. Et puis bah écoutez, on regarde l'image ensemble sur l'ordinateur. C'est parti. Alors comme vous l'avez vu sur l'image précédente, donc mon appareil photo était légèrement incliné, ce qui fait qu'avec une profondeur de champ à 2,8, je ne pouvais pas avoir et l'herbe et les feuilles qui sont sur la rive nette. Donc en fait j'ai fait deux photos que j'ai ensuite assemblées dans Photoshop pour donner cette image finale. C'est ici qu'on va finir cette vidéo. Bah, je suis finalement content de ma sortie, même si quelque part elle avait mal commencé, parce que ça m'a obligé un peu de sortir des choses que je fais habituellement. Alors j'ai pas encore vu l'image là-bas que je viens de prendre de cette rive avec ce gazon et puis l'eau à côté, mais j'espère qu'elle va bien rendre parce que je suis content de cette photo, ou du moins je suis content d'avoir eu l'idée de prendre cette photo. Donc voilà, c'est un peu ça. Bah finalement, je vous l'ai souvent dit, hein, c'est que parfois ça se passe jamais comme on veut, il faut toujours être inventif, il faut toujours aller se rechercher et puis essayer de sortir un peu des choses habituelles, justement quand on est dans ces situations comme ça où c'est pas vraiment la situation qu'on attendait. J'étais content, je me suis fixé un thème qui était l'eau, je l'ai pas toujours respecté avec le chemin, mais voilà, on a essayé de tourner quand même un petit peu autour de ce sujet. Donc ma dernière photo va être ici. Donc là, vous voyez, on a un petit arbuste qui commence effectivement lui à prendre un peu des couleurs jaunes, donc je trouve ça relativement sympa. Donc écoutez, on va se quitter sur cette dernière photo. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos commentaires hein, sur les photos que j'ai prises, et notamment qu'est-ce que vous pensez de la photo que j'ai prise là sur la rive. Et puis bah, il ne me reste plus que, bien sûr, un petit pouce en l'air. Hein. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.